Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête à sacrifier mon confort, le bien-être de mon corps? Puis moi, j'étais confortable, fait que, en bout de ligne, moi, j'ai aimé ça, puis j'ai continué. Que, ben, Free the Nipples, comme le projet est, ben, ça devrait être quelque chose de plus répandu. Ça peut avoir l'air quitté, mais vraiment d'accepter mon corps, puis... Là, t'as plus d'anneaux, t'as plus rien, c'est comme... T'es libre, là. C'était vraiment enrichissant comme expérience, puis que je veux un jour être capable de me rendre là, mais... C'est une libération, là. Ça a tellement fait du bien, puis je me sentais vraiment bien de pas en porter, là. Et maintenant, c'est... quand j'ai des brassards, je suis comme pas normale. Moins intimidant, puisqu'on était plusieurs à le faire, et je me suis dit que, tu sais, comme les gens ont d'autres choses à regarder que ça, là, alors... Honnêtement, je me vois vraiment plus porter de brassière jamais parce que, comme j'ai dit, j'aime vraiment ça, ce mode de vie-là. Puis...